Baruch Spinoza avait fait partie de la communauté juive d'Amsterdam pendant son adolescence. Mais entre ses 20 et ses 25 ans, il a mis en avant une nouvelle vision du Tout-Puissant. Le Dieu de Spinoza n'était autre que les lois physiques de l'univers. Son texte sacré était le livre de la nature. La plupart des Juifs d'Amsterdam avaient fui les tortures et les assassinats des terribles inquisitions en Espagne et au Portugal. Ayant trouvé refuge aux Pays-Bas, ils estimaient sans doute que les idées radicales de Spinoza compromettaient leur sécurité durement gagnée. Ils ont excommunié le jeune rebelle en interdisant à tous leurs fidèles de lui adresser la parole. Spinoza a accepté cette punition avec dignité, mais sans montrer la moindre soumission. Il s'est installé dans une ville proche, La Haye, et il a poussé sa démarche encore plus loin en affirmant que la Bible n'avait pas été dictée par Dieu, mais simplement rédigée par des humains. Spinoza a écrit « Ne cherchez pas Dieu dans les miracles. Les miracles sont des violations des lois de la nature. La meilleure manière de comprendre Dieu est d'étudier ses lois. » Personne n'avait prononcé de telles paroles auparavant. Spinoza savait que même aux Pays-Bas, la liberté de penser avait des limites et qu'il risquait de les franchir. Il estimait qu'une religion d'État officielle n'était pas seulement une contrainte spirituelle exercée sur l'individu. Pour lui, les miracles des principales traditions religieuses relevaient de la superstition organisée. La pensée magique des dogmes était un danger pour les futurs citoyens d'une société libre et rationnelle. Et une vraie démocratie était impossible sans séparation entre l'Église et l'État. Les idées qu'il a développées dans son livre ont nourri plusieurs révolutions à travers le monde. Mais à l'époque, tout comme aujourd'hui, certains se sentaient menacés par cette vision différente de Dieu. Spinoza a continué d'exposer ses idées révolutionnaires dans ses écrits et ses discours, en portant sa cape lacérée comme une médaille honorifique. Il est mort à 44 ans, peut-être parce qu'il avait inhalé trop de poussière de verre en passant des années à polir des lentilles de microscope et de télescope. 250 ans plus tard, un autre homme passionné par la lumière est venu en pèlerinage dans cet atelier qui avait été préservé pour témoigner de l'influence de Spinoza. Cet homme est célèbre dans le monde entier pour avoir découvert une nouvelle loi de la nature. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, Albert Einstein répondait « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe. »